Yo, on se retrouve, nouvelle vidéo. Back to training, après avoir enchaîné les compétitions à la fac, au Silent Worker Meet, etc. Maintenant, c'est parti pour rebuild quelque chose. Build de la force, on est bien, donc on reprend. Petit contexte, là c'est mon SBD de reprise, parce que j'étais en vacances durant 10 jours. Donc durant les 10 jours, j'ai réussi à caler un SBD tendancieux, dans le sens là où... j'étais en full euro, littéralement j'avais pas de genouillère, j'avais pas de ceinture, j'avais pas de bande de poignet. J'avais un banc claqué beaucoup trop haut et au niveau du terre, j'ai dû faire du RDL parce que la salle là où j'étais, je pouvais pas lâcher les poids comme je pourrais le faire pour un tradi ou quoi, genre. Donc c'était plus simple de faire du RDL, donc voilà. Et j'ai fait quelques MRAP pompes histoire de quand même garder un pattern de poussée et limiter la casse. Je vous invite à aller voir le podcast de Strength Strategy qui a fait un podcast sur comment gérer... l'entraînement en vacances, etc. C'était très intéressant et je trouve leur point de vue intéressant. Ça fait totalement une répétition. Bref, du coup, on va voir où j'en suis après cette semaine de reprise, voir ce que je vais aboutir sur les SBD. En vrai, je me sens assez bien. J'ai le squat, franchement, c'est ok. Le bench, en ce moment, je suis en train de changer quelque chose d'un point de vue technique pour enfin qu'il augmente. Et le TR, ça se passe. Donc, on y va. Squat fini, enfin non, il me reste des back-off, mais bon, en gros, les gros sets sont finis. Donc un doublé suivi d'un single, content de commencer à bouger. J'ai mis 151, pourquoi j'ai pas mis 150 ou 152,5? Parce que pourquoi pas, d'abord. Non, en vrai, je me suis dit que, petit truc feeling, je me suis dit non, ce sera bien. Pas mécontent, à savoir que l'intérêt potentiel de faire un doublé suivi d'un single, ça serait de mieux réussir à évaluer son single. En fait, votre doublé permet de mieux analyser votre forme du jour, potentiellement. Un doublé assez élevé permet de mieux vous estimer. Alors que si vous faites que des singles, des fois, vous avez tendance à faire une rep, dire pas fou, je sais pas, etc. Alors qu'une deuxième aurait permis de vous confirmer votre ressenti. Donc c'est quelque chose qu'on met en place avec le coach. Du moins, si j'ai bien compris, c'est la théorie. Du moins, en tout cas, perso, moi, ça me paraît cohérent, donc c'est comme ça que je vous le transmets. Sinon, je crois que de toute façon, Iban en parle dans sa dernière vidéo parce qu'il fait aussi ce format d'entraînement. Donc, si ça vous intéresse, allez sur ses chaînes pour avoir un autre point de vue. Moi, c'est ma compréhension de à quoi ça pourrait servir. Et normalement, je crois qu'on a la même, mais bon, dans le doute. Bref, du coup, doublé 2 x 151 et single à 160. Je suis assez content de voir comment ça passe. Là, techniquement, c'est ok. Trajectoire pas parfaite, comme d'habitude. Elle n'est pas full rectiligne, mais c'est ok. La deps, juste ce qu'il faut. On va dire ça comme ça. Faut que j'arrête de trop me prendre la tête dessus potentiellement parce que j'ai pas de problème techniquement en compétition. Je crois que je me suis jamais pris de red light dessus. Donc c'est normalement que mon lift est assez convaincant si j'ai à chaque fois trois lumières blanches. Donc voilà, ça m'énerve toujours, mais j'essaye de relativiser. Donc pour une reprise, j'aime bien. On va voir ce qu'on peut aller chercher en fin de bloc. A savoir qu'en plus là, j'ai des petites croûtes dans le dos. C'est très glamour, je sais. Mais du coup, le squat, à chaque fois, c'est un peu douloureux au niveau de cet endroit-là, parce que ça me les arrache à chaque fois. Donc c'est un peu chiant. Voilà, j'aimerais que ça cicatrise en fait. Vous me direz, oui, mais si tu connais la face du squat, tu pourras pas. Oui, ben ouais, hein. C'est bon, ok?
Je pars en couille. On se retrouve pour le bench. C'est tout, on se retrouve pour le bench. Je sais pas appuyer sur un bouton power, donc vous avez pas vu le doublé. Je vais essayer de pas vous louper le single. Sachant que le doublé est passé RPE 9, 9,5. Chez semaine 1 du blog. Bah, je vais rester au même point pour le single. Voilà. Bon, c'était un poco mieux. Donc, ouais, RPE 8, je dirais. Le bench a pris quand même une sacrée claque. Je bégaye. Après quand même une sacrée claque. Passe mi tour. Hein. Mais bon, comme dit, j'ai fait un changement technique et là, je remarque qu'il y a un truc qui commence à être un peu désagréable sur mon setup. Faut que je trouve une solution parce que c'est pas le truc le plus viable au monde. En gros, là, c'est là où je pose du coup mes pieds pour leg drive. Et c'est des plaques, comment on appelle ça, anti-vibration qu'on met en dessous des machines à laver. Ça fait le taf, c'est bien. Comme vous voyez, déjà, je mets des poids. Attendez. Ici. Tout simplement pour éviter que le tapis glisse en dessous. Et donc, que j'ai pas de leg drive. Sauf que, comme vous pouvez le voir, il se plie, ce con. Donc, quand je pousse durant ma rep, ce qui fait que mes pieds bougent, quoi. Donc, mon leg drive, soit je le pousse et donc je bouge durant mon mouvement et c'est pas fou. Soit je fais un moins gros leg drive, au moins ça bouge pas, mais du coup j'utilise pas mon leg drive à son plein potentiel. Donc ça, c'est casse-couille. Je dis pas, je pense pas que ce soit la résidence de tous mes maux, parce que c'était comme ça que je faisais du bench avant, mais n'empêche que c'est un facteur limitant. Juste que là je pense que le changement technique, plus la semaine, les 10 jours là où j'ai pratiqué une fois du développé couché et j'ai fait que quelques pompes, ça m'a bien désentraîné sur le mouvement, parce que si je dis pas de bêtises, le bench c'est le mouvement là où on se désentraîne le plus comparé aux autres, donc ça paraît logique que lui se prenne une tarte. Donc on va s'en satisfaire de ses performances, techniquement j'aurais dû viser plus bas pour prendre un meilleur momentum, parce que là je sais pas trop. Après, j'ai mis une bonne intensité, donc peut-être que ça va faire que je vais bien réagir et que ça va me remettre d'aplomb pour la semaine prochaine. C'est à double tranchant, on verra. Bref, je vais faire mes back-off, super important. Mettez la même intensité sur vos back-off que sur vos top sets, puisque c'est là où vous accumulez du volume, de travail, de qualité, on l'espère. Comme ça, au moins, ça se répercutera par la suite. Je sais que ça peut être dur psychologiquement, mais il faut continuer à faire le taf. Comme ça, là, je vais bien ancrer mon nouveau pattern et tout simplement réancrer le pattern. Donc, c'est primordial. On l'a vu. Franchement, c'est bien passé, hein. Genre, que ce soit le doublé ou le single, j'ai jugé que j'étais dans les clous. Plus ou moins, donc en vrai, je suis satisfait. Donc le terre, cool. On va dire que celui qui a mis moins de séquelles, c'est le terre. Le squat s'en tire vraiment pas trop mal, je trouve. J'aurais peut-être pu être un peu plus haut, mais franchement, je trouve ça vachement honnête. Et le bench, c'est lui qui a pris la plus grosse baffe dans la gueule. Ce qui, en vrai, je pense, est totalement logique. Voilà. En tout cas, perso, c'est comme ça que je ressens. Je sais pas. En vrai, ce serait intéressant. Je me suis pas trop renseigné sur ça. Je sais que le bench, c'est celui qu'on se désentraîne le plus. Entre le squat et le terre, c'est purement spéculatif de ma part, je suis pas sûr sur ça. Mais sachant que le terre, souvent, c'est celui là où on a le moins fréquent, j'aurais tendance à dire que c'est celui là où on se désentraîne le moins. Et que le squat, il est entre le bench et le terre. Donc que moi, ça paraît logique. Voilà. Mais si ça se peut, c'est pas du tout le cas et la majorité, en fait, récupère pas spécialement... Enfin, a pas de différence significative entre le squat et le terre. Ouais, c'est intéressant. Je sais pas s'il y a des études là-dessus. Bref, en tout cas, voici mon expérience, ce qui ne vaut pas grand-chose puisque n est égal à 1, mais je vous la partage.
Du coup, qu'est-ce que je peux te dire en conclusion de cette vidéo? Que, en vrai, je suis pas mécontent de comment ce bloc reprend après 10 jours à s'être entraîné de façon non optimale. Franchement, je suis assez satisfait. Résultat des comptes, ne psychotez pas trop vis-à-vis du fait d'arrêter un petit peu. C'est pas comme si vous alliez repartir de zéro. Alors certes, vous ne repartirez pas aussi fort que ce que vous étiez potentiellement, même quasiment sûr. Sauf si vraiment vous aviez abusé sur... genre que vous étiez en overreaching plus plus, là peut-être que ça peut se discuter et que peut-être que vous reviendrez limite plus fort. Mais je pense pas que ce soit la majorité des cas quoi. Qu'à la limite, ce que je peux vous conseiller de faire si en vacances vous cherchez à bah, quand même vous entraîner comme vous pouvez, etc. C'est favoriser le full row. Au moins c'est plus simple de monter en gamme. Pas besoin de monter trop haut. Ce sera. Vous garderez même pattern qui sont quand vous avez votre stuff. Mais avec moins de charge, ce sera plus rapide. Vous n'avez pas besoin de vous trimballer dans votre valise, votre belt, vos genouillères, vos chaussures, bref, tout le bazar. Plus simple, plus nihiliste. Et si vous n'avez pas de salle de sport, alors pour les jambes, je pense que soulever de terre, squat, etc., c'est compliqué de trouver quelque chose d'intéressant d'un point de vue poids du corps. Why not tester des trucs avec fente bulgare, pistol squat, pour essayer de stimuler un minimum, un pattern de squat. Mais bon. Pas sûr que ça fasse le meilleur transfert sinon pour le bench faites des pompes c'est une poussée horizontale, ça s'y ressemble. Mais comme vous pouvez le voir par exemple sur moi, bah, j'ai quand même pris une baffe. Après c'est possible, si j'avais pas fait mes pompes je me serais pris encore une plus grosse baffe. Donc voilà, c'est la seule chose que je peux vous conseiller de faire si vous partez en vacances et que vous avez pas de salle, ou si vous avez une salle mais pas trop de temps. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas vous abonner à la chaîne, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit ça. Passez sur mes réseaux, TikTok, Insta. Je vais essayer d'être un peu plus productif sur le contenu un peu plus. Le contenu réel, etc. Donc, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et n'oubliez pas, vous avez toujours mon lien d'affiliation si Force Academy ça vous intéresse. Et sur ce, j'ai terminé avec la propagande. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Boom, boom, fight the power.